Salut à tous, c'est Zoro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite game en compagnie d'Annie Panda. Donc, on va jouer sur la voie du mid. On a un Volibear sur la top lane, donc argent. Un Ezreal et un Braum sur la bot lane. Et en jungler, on a un Rammus. De leur côté, Maître Yi en jungler. Ahri au mid. Shen au top. Et Lux et Morgana sur la voie du bas, normalement. Donc, en face. En face, ça part sur de la TP, sur la top lane. Je pense que ça devrait bien se passer normalement. Au mid, on se prend quand même Ahri, ça va être assez tendu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Annie. Donc on va voir comment on va se débrouiller. Hein. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas joué, donc pourquoi pas la rejouer. Donc c'est parti, j'espère que ça va bien se passer. Alors, c'est qui ne veut pas charger? C'est Rammus. Donc voilà. Donc actuellement, bah toujours argent. Je suis toujours argent. Mon objectif, bien évidemment, ça reste gold, hein, pour ceux qui suivent un peu League of Legends. Je fais surtout ces vidéos pour ceux qui suivent League of Legends, pour ceux qui jouent à League of Legends. Donc bien évidemment, il y aura plus de Minecraft qui va arriver, mais. J'aime bien varier un petit peu sur la chaîne, mettre un peu de League of Legends, ça change un petit peu du Minecraft, ça change un petit peu, voilà. Bon, Rammus, qu'est-ce qu'il nous fait? Il a fait pause sur son chargement là, ça se passe comment? Ça se passe comment? Donc sinon on va essayer de faire gaffe au gank du Maître Yi parce que là c'est clair qu'on va faire des dommages, mais par contre on va se faire bouffer si ça gank, parce qu'une Ahri avec le bisou, si ça me bisou sur moi, il y a mes trucs qui arrivent et c'est fini quoi. Je ne peux rien faire, même avec un flash. Ça faut pas arriver. Donc moi je vais démarrer, il y en a qui démarrent avec le Z. Donc le Z qui permet de stun à la quatrième attaque, ou la troisième, je sais plus. Et même moi je préfère partir avec le A pour farmer, parce que le A... permet de fermer plus facilement parce que ça redonne le mana si on arrive à tuer le sbire. Donc c'est plutôt avantageux que le Z coûte pas mal de mana et au début on aura un petit peu de problème. Donc c'est parti, ça va démarrer. Allez. On va voir comment ça va se passer. Allez. Donc normalement j'ai mon stuff tout prêt, voilà. Allez. On va partir sur potion et un petit anneau de Doran. Et on va bien évidemment prendre le A. Je pense qu'on va prendre le A, voilà. Donc le A qui a une portée, bon, pas très grande, mais on va essayer de se dépêcher. Ah oui, aussi quelque chose que j'aime bien, regarde. Hop là, voilà. Swag, swag de skin, voilà. Swag de skin, voilà. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça va donner. On a un Braum en support. Un Braum, j'espère que ça devrait bien se passer. Ouais. Ouais, on va. Je pense que cette game, on peut la sentir bien. Il faudra juste que je fasse gaffe au gank. Il faudra que je fasse gaffe au gank 30 secondes avant l'apparition de Maître Yi, parce que là, on peut se faire bouffer. Allez, c'est parti. Rammus, que fait-il? Rammus qui était AFK, bon c'est pas grave. La game n'a pas encore commencé, mais là. Ok, donc on a notre petite ward. Donc il faudra qu'on voie par quel côté il gank le plus souvent, comme ça on posera la ward du côté où il gank le plus souvent, parce que je compte pas trop acheter de ward, ça coûte cher et il me faut du stuff assez rapidement. Donc du coup on posera une ward bah, du côté Wigan, je pense qu'il va plutôt camper de ce côté. Donc on verra. De toute façon je vais essayer d'acheter mes bottes assez rapidement. Allez c'est parti. Donc là Ahri, c'est pas où elle est allée. Elle est partie chercher son blue buff peut-être. Hop là. Chloé qui est vraiment bien parce qu'il a un cooldown vraiment de 3 secondes et 3 secondes c'est vraiment... Alors là, on va faire super gaffe. Ah mince, bah très bien, je loupe le last. Très bien, très bien. Donc non, elle a pas son blue buff. Non, pas du tout en fait. Non, non, bah oui, je l'ai eu.
Mais alors? Ah ouais. Ouais, c'est bien ça. Oula! Que se passe-t-il? Non, c'est bon. Quel est ce lag là? Voilà, merci. Hop là. Donc on va essayer de... On va essayer de jouer tout en esquivant les coups d'Harry. Alors là, Harry, elle est vraiment... Ah, j'ai pas de last. Elle est vraiment assez... On va essayer de l'agresser un petit peu. Elle est vraiment assez énervante puisque... Elle a une portée vraiment monstrueuse. Donc du coup, ça... En plus, ses coups font aller-retour. Donc du coup, ça va... Ça va faire très mal. On va essayer de la maintenir sous tourelle. Ah bah mince, là on a raté. Arrêtez notre coup. Allez. On va essayer de dépêcher un petit peu. Hop là. Alors on s'en sort. Je jette un coup d'œil sur la mini carte. Sur la petite map. Au cas où il y aura le maître qui arriverait. Hein. On sait jamais. Mince, je voulais. Non mais maintenant l'elastiting, voyons, voyons, voyons. Donc là on essaie de lui faire perdre un peu le farm. Même si c'est un petit peu. On essaie de jouer. De jouer tranquillement. On essaie de lui faire perdre un petit peu de farm. Voilà, hop. On fait gaffe. On essaie de pas trop rester en ligne droite avec Harry parce que bon. La ligne droite c'est évité. On essaie de garder le mana. Hop. Voilà. On économise un peu de mana. Donc là on va essayer de prendre l'élastite. Oui, 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 oui. Ça va, niveau farm on est correct. Moi qui farm pas très bien. On s'en sort. Ok. C'est bien là. On va essayer de push un petit peu. Puis après c'est Harry qui va push. Hein. Une fois qu'elle aura son 6, son niveau 6 là, je pense qu'on... Hop là, allez. Il y a un bisou qui est passé. Oh là, l'astite, ou alors. Donc faut faire gaffe à sa boule parce qu'elle tape aller-retour. Et aller-retour, c'est pas... Bah ça fait des dommages aller-retour quoi, ça fait très très mal. Donc on va... Hop là. Hop, l'astite. On fait gaffe à notre mana surtout. Hop, on l'astite. Très important parce que une Annie qui l'astite. Oula. Une Annie qui sait pas l'astite là, c'est même pas la peine. Ok. Oh là là là, elle commence à... Elle fait sa folle là, Larry. Ok, parfait. On a le niveau... Bah bien sûr. Fallait que je loupe ce l'astite. Hein. Ce l'astite de Dieu. Non, 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 le bisou. Bah bien sûr, tu comptes me bisou. Bah oui. Donc là le maître il va pas tarder à tarder je pense. Hop. On essaie d'utiliser un peu nos sorts puisque du coup grâce à notre A on a pas mal de mana. Alors on fait gaffe, on essaie de rester derrière les sbires pour le bisou. Hop, on la suit tranquillement, voilà on est bien. 34, Larry fait du 20. Bon, on lui met la misère niveau farm. Mais bon, est-ce que ça va durer? Voilà quoi. Moi j'aimerais bien que ça dure. Donc là on va voir la Harry qui va chercher du stuff, donc on va en profiter. Ah non, je pensais qu'elle allait back. Donc ça veut dire qu'il y a Maître Yu pas loin ça. Ça. Là, elle a tout de suite changé de réaction, donc je pense que... On va avoir le droit à un petit gang de Maître Yu. On va aller warder, de toute façon j'ai une chance sur deux, donc on va warder ici. On va voir ce que ça donne. Donc, le bisou, bah bien sûr, le bisou qui fait très peur. Comme si on allait se prendre un bisou. Bah oui. Un bisou qui peut nous coûter la vie. Hein. On va jouer une petite popo pour la sûreté. Non mais non, l'astite. Ça va pas le faire si on peut. Ah, on a notre 6 par contre là. Ok, la catapulte. Donc là elle va commencer à nous arraser bien quoi. Hop là, on la stun parce que là j'avais chargé mes... Oui, 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 oui. Et le... Allez, allez encore, le Ramus, allez. Allez, on va push et on va back. Notre nounours va push la tourelle. Dommage, le Ramus, je pensais qu'il allait faire un petit place là. J'ai flash en brase, je pensais. Ouais. Bon, tant pis pour le lastite. Je préfère prendre de la sûreté parce que si y a le maître qui arrive, c'est bon, il met son A, il fait des petits confettis de notre corps. Donc on va backer sur notre petit nounours. Tout de suite en priorité, je vais partir sur des bottes de peine magique. 3 popos, un peu de ça et puis c'est parti. Donc je pense qu'on va partir pour le mana. On va sûrement partir sur un... Peut-être sur un Graal et après on part direct sur une coiffe du Rabadan. On prendra pas le dernier item, je pense que ça coûte assez cher. Donc là j'ai pris les bottes vraiment pour avoir la mobilité parce que là...
On va avoir vraiment besoin de mobilité pour esquiver le bisou et tout ça, donc sinon je serais parti directement sur de la SS d'ailleurs. Excusez-moi. Hop là. Donc là, petit stun sur les sbires. J'ai l'astite, oui j'ai l'astite. Hop, donc là on va essayer de choper la catapulte. Très bien. Donc là on va faire un petit peu, on va des push tout ça. Hop là, voilà, très bien. 50, 50 à 50 à 30. C'est assez correct. On essaie de garder un petit peu toujours 5-10 creeps d'avance sur son adversaire. Hop là. Alors là, que se passe-t-il? Voilà, SS. SS. Non, c'est bon. Hop là. Non, non, mais non. Si je touche des creeps, ça va pas le faire. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Bon, l'astite là, 56 l'astite à 8 minutes. C'est correct. C'est vraiment correct. Oh, le bisou qui a vraiment une longue portée, dis-moi. On va remettre notre ward pour pas se faire bouffer par un maître de la jungle. SS. Voilà. Allez. Hop là. Hop là. Alors là par contre, on n'a pas du tout esquivé. J'étais concentré sur les creeps. 61. 61 à 34. Franchement là on lui met la misère. Parfait. Donc pour l'instant je joue pas trop agressif parce que j'essaie de farmer. Dès qu'on a un item du style coiffe du Rabadan ou quelque chose dans le genre, là, on va commencer à tapoter un petit peu. Hop. Non mais non, le creep. Oh, je l'ai eu. Oh. Très bien. Hop. Va-t'en. Le creep. Je l'ai pas eu. C'est pas grave. Donc là, on fait gaffe au maître I. Donc là, elle va perdre la catapulte. Parfait. Voilà. Là on lui fait perdre vraiment masse de farm pour qu'elle prenne vraiment du retard sur quand on va arriver vers la fin de la game. Bon après une fois qu'on l'aura tué, enfin si elle nous tue pas avant. Oh mince, j'ai pas fait assez de... Oh, je fais pas de dommages là. Je ne fais pas le bisou. Le nounours pour stun. Ah ouais. Ouais là elle nous met la misère. Elle met la misère. C'est quoi son stuff? Ouais. Ouais. Là par contre on a pris la bite. Je pense qu'on va prendre Resi Magique, on va partir là-dessus. Ouais. Est-ce que le Ramus va venir faire un petit... Non, pas du tout. Donc là, on a pris vraiment la bite. On va essayer de jouer agressif. Là. On va essayer de jouer agressif parce que là... Là, on a pris un peu d'avance sur le farm, mais ça va pas... Là, c'est pas ça qui va faire... Qui va faire l'avance quoi. Si elle commence à se fit, c'est plus la peine. Le farm qu'on lui a fait perdre, ça ne sert plus à rien. Hop. Allez, c'est parti. On va essayer. Donc là, c'est à nous de gérer sous la tourelle là. Le farm qu'on peut perdre ou pas. Hop là. Hop. Voilà, c'est parti. Ah, autant pour moi. Le bleu du Ramus, très bien. Excusez-moi Ramus. Ah, Ramus. Thanks. Notre petit bleu. Donc là, on va pouvoir se gaver là. On va pouvoir se gaver. C'est parti. Donc là, faut surtout pas lui donner le bleu, hein, sinon fin du game. Allez, on essaie de griller. On essaie de gratter des petits sbires. Hop là. On n'hésite plus à utiliser le mana là, c'est ça qui est bien. Hop là. Hop. Par contre, niveau popo, on va essayer de... Ah mince, je pensais toucher les. On va utiliser notre boubou, on va essayer d'en abuser un petit peu. Voilà. Donc là. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui faire perdre du farm pour l'instant. Nous, notre tourelle, elle va bien. Elle se porte bien. Hein? Hein? Tu veux jouer? Tu veux jouer à quoi? Tu veux jouer à quoi? Très bien, inutile. Le coup, inutile. Donc là, on essaie de garder vraiment les distances. Hein, les plus grandes distances qu'on peut. Oula. Que se passe-t-il? Hop. Oh mince, il me manquait la site. Très bien, il y a l'agression là. Ça va me permettre de push la tourelle tranquillement.
Oh là là. Sans les coups de tourelle, merci. Allez hop. Pour l'instant on farm. C'est assez chiant le début, on farm tranquillement. Oh mince, je vais pas la site. Hop là. 93 lastite à 45 là, franchement. Je pense que niveau stuff, on va se stuffer très rapidement. Une fois qu'on sera stuffé, on fera les dommages. On fera les dommages. Hop là. J'ai encore mon bleu. Ouais, j'ai encore mon. Oh mince, oui. Je suis un peu. SS. On va tout de suite prévenir le SS. Hop. Non, le creep. Voilà, merci. Non, oh, oh, oh. Voilà, hop, 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 hop. Eh ben non, je fais bait. T'as cru, hein. Hop là. Toujours stallomé avec une Harry parce que la majorité des tirs de Harry c'est SS. Très bien, j'arrive plus à SS. SS. SS top lane. Allez, on essaie de. Alors là, on va louper, bien évidemment. Non, mais non! Je fais tellement zéro dommage. SS, alors là. On va warder ici parce que là ça sent pas bon. Oula, bah tiens. Suffisait de le dire. Hop, allez, on va essayer de push carrément sous sa tourelle. Alors là, la Harry qui va sûrement. Ah non, si on la push. C'est pas stylé ici. Mince. Mon perso qui n'avance plus. Est-ce que je. Non. Voilà, des dommages, des petits dommages. J'ai embrasé. Voilà, je stun. Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué. En fait. Bon, là, j'ai récupéré un double buff en plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai burn out la Harry qui fait le plus de dommages. J'ai embrasé le maître Yi qui avait plus de vie, donc j'ai fait un doublé. Et j'ai tout simplement stun. Excusez-moi. J'ai tout simplement après stun. Je sais plus qui. Pour pouvoir l'arrêter, résultat. C'est un doublé. C'est un free doublé en fait. C'est un doublé gratuit. Et en plus, j'ai pas fait gaffe, mais on a récupéré le rouge sur le maître Yi. Donc du coup, là, sur cette action, bah. C'est une action correcte quoi, qui fait encore plus avancer. Qui fait avancer la game. Donc un petit doublé, voilà. J'hésitais à embrasser au début, je me suis dit, est-ce qu'il va. Il va faire son heal. Est-ce qu'il va le faire? Bah il l'a pas fait. Alors par contre. Là on fait gaffe parce que un double buff ça stun pas à tout le monde. Donc là franchement Annie en fait elle est forte mais une fois qu'elle est burn out, elle fait plus rien quoi. Ok, ça graisse. Hop, on esquive le bisou. Voilà. Waouh waouh waouh, les dommages. Donc là, elle a carrément fait son. Voilà. Donc quand c'est ça, faut pas hésiter à faire des grands tours. Parce que sinon, vous faites bouffer par une Harry, tout simplement. Voilà. Moi, je veux Gougou. Hop, on va avancer. Hop, on stun. On a réussi le stun, j'avais pas fait gaffe. Hop là, on esquive un petit peu sa boule. On push. Ah, dommage. J'ai pas la suite. On n'hésite pas à utiliser une potion. On fait gaffe aux bisous parce que si on nous bisous, on est mort. La tourelle qui a plus de vie. Ok. Waouh. J'hésite pas à utiliser mon mana. Hein. J'ai le bleu donc je n'hésite surtout pas. SS de Larry. Très bien. Hop là. On farm de vraiment de. Alors là. Elle commence à avancer. Ça me plaît pas trop. Tant qu'elle reste à distance. Ça me va. Non, le lastic. La catapulte. Voilà. Donc là, hop là. Oh bah d'accord, j'ai carrément fait des punaises de dommages. Donc là, on a push la lane, on va aller back. Pour pouvoir acheter ça. Voilà. On va acheter ceci. Et en plus, on a plus trop de vie donc. On va prendre 4 potions. Allez, on va se gaver de potions. Même si on n'utilisera pas tout d'un coup. Bon. Ça nous fait toujours des potions. On est en 2-1, donc c'est du positif. Dans la game 6-4, bon, ça se passe à peu près bien. Peut-être la bot lane qui a un peu de mal. Pour l'instant, mid lane, pour l'instant, contre une Harry, franchement, je m'en sors pas mal. Je
m'en sors vraiment bien parce qu'une Harry, franchement, ça. SS de Larry. Voilà, j'aime pas quand Larry a SS comme ça. Hop, hop, hop. Oh, zéro dommage, j'ai fait zéro dommage. Hop là, on se calme. Mon bouclier qui m'utilise quand même 20 de mana. Oh, ça va. C'est assez correct. Alors là, je vois plus le maître Yi, ça me fait un peu peur. Y a-t-il un besoin d'un coup de main? Non, il faut un Drake. Est-ce qu'on va donner un coup de main? Bah oui, on va donner un coup de main quand même. Ah non, d'accord, ils ont défoncé le Drake en fait. Hop, SS de Harry ici. Un. Ouf, les dommages. Alors par contre, elle me met des dommages de malade. On vient d'esquiver le bisou là, coup de bol. J'ai pas fait exprès en plus. Hop, non, 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 l'astite. Oui, j'ai eu l'astite. Donc 136 à 70 l'astite, bon, comment dire. Hop là. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Alors là, j'ai tout simplement. Je crois que j'ai raté mon ulti en plus. Donc là, on va dire au nom de pêcher la tour. Donc là, en fait, ce qui s'est passé. Alors, j'ai combien de fric? Est-ce qu'on prend ça? Allez, on va finir là-dessus. Donc en fait, j'ai laissé Larry s'approcher. Donc je suis parti au début. Donc je les burn out. Ensuite, j'ai fait style, je pars, j'ai peur. Pour recharger mes cooldowns, parce que vous pouvez voir que franchement 6 secondes et 3 secondes, enfin c'est surtout mon A qui est 4 que 3 secondes. Donc ce que j'ai fait. Bah j'ai fait style, voilà, je vais mourir. Mais en fait j'ai récupéré mon A. Résultat j'ai embrase parce que sans l'embrase je pense que je serais mort. Et j'ai fini avec mon A. Bon franchement je pensais faire le kill et mourir. Mais au final j'ai... sans pression toi. Voilà. Tu vas te calmer. Voilà. Hop là. On va fermer un peu cette petite top lane. Tranquillement. Voilà. On va fermer, on va dépêche plutôt. Ça ne veut rien dire. Alors par contre du coup Larry qui fait son blue buff sans pression. J'arrive. Alors là on a l'ulti, donc l'ulti qui a vraiment un cooldown très réduit. Du coup on va tenter un truc. Hop, on concède ça. On tente des trucs. Voilà. Hop, je vais vite fait décaler ici. Parce que il y a Larry qui a vraiment besoin d'aide. Hop, on essaie de dépêcher un peu les sbires, on joue les popos bien évidemment. Ça c'est quelque chose. Est-ce qu'on se fait un petit bout de jungle? Allez hop. Est-ce qu'on fait Annie jungle? Allez hop, Annie jungle. Vas-y mon ours, avance. Par là petit nounours. On va essayer de récupérer. On a récupéré notre catapulte, parfait. Nounours qui est... Ah ouais, qui est mort. Hop là. On tente des trucs là. Là on tente n'importe quoi. Bon. De toute façon là on a voulu push trop vite. Donc on voulait la tourelle. On l'a pas eu. Bon. Ça c'était un truc à tenter. Donc là on va partir sur Rabadan direct. Hein. C'est le Rabadan les dommages. Hein. Du coup j'ai un peu gaspillé mes potions. Bon c'est pas grave. Par contre là, si on a besoin d'aide. On a un petit peu besoin d'aide, donc c'est pour ça que je vais prendre mes doux foyers, sinon on va être dans la merde. Excusez-moi, on push ma tourelle là. Très bien, on sent. C'est pas grave, ils vont push 3 tourelles d'affilée, mais bon, c'est pas grave. C'est 3 tourelles. Ah. Bon, allez, on se reprend. Donc attention, il y a du farm ici. Ici on a du farm, Larry qui décale, bah oui, bah Larry forcément. Donc là je vais juste push ma lane. Hop. Mourez. Voilà. Je vais peut-être arriver un petit peu en retard. Allez. On
lumière. Oh là, par contre là, il se passe quoi là? Viens là, viens là. Voilà. Oh là, tu fais quoi? On va pas faire du... Fuis, fuis mon ami. On va pas faire du 2v4, là on va juste mourir là. Non, non, on va rentrer au barcaille. Tranquillement. On attend. Mourir. Oh, pff, les... Ouh, les dommages. Putain, les dommages de l'année. Alors là, on va prendre la tourelle, hein, bien évidemment. Hop, le boubou. Oh là là, la luxe. On esquive. Voilà, voilà, voilà. On esquive tranquillement. Le stun, il me tuait de toute façon. On va essayer de... Alors, on va faire un petit décal. Alors là, par contre, non, on va se faire retuer, là. Tac, double cage, donc Morgana et Lux, ça va pas le faire. Hop. Hop, on va se faire les petits Vrest. Ça donne des gold. Hein. Voilà. Par contre, oui, excusez-nous. Bah non, là, c'est mort. Hein. Voilà. J'hésitais à y aller, de toute façon, j'étais pris en sandwich. Donc là, je suppose qu'ils vont à ISS. Bah, je vais pas SS, hein, puisque c'est... Moi, c'est la Harry qui est sur ma top. Excuse. Ah. Help. Help me. Merci, bro. Tu sers à rien, hein, je déconne. Alors par contre mon nounours va tout de suite me griller vers là. Voilà. On va mettre le nounours dans le bush. Donc là, sorry. My bad. Voilà, donc on va partir sur un bracelet. Allez. Bracelet de feu mortel. YOLO. Donc clac clac clac, ouais, on est bien. Bracelet de feu mortel pour les dommages. Donc voilà. Donc là je suis vraiment désolé, je voulais pas trop y aller parce que je sentais mal. Alors par contre là, venez, j'ai mon nul. Non, j'ai pas mon ulti. Bien joué. Hop, là, on fait l'embrase. Voilà. On tue l'ennemi. On utilise les potions, bien évidemment. Hop, on dépêche la lane. Le boubou, bien joué. Voilà, c'est pas la peine. Oh, si. Ah, dommage. J'ai pas eu l'assist. Là, je pensais... Donc là, j'ai mon ulti, donc là, on va pouvoir rigoler. Ah oui, très bien. Je vais dans le tableau. On va utiliser les popos de toute façon. Je vais essayer de push l'aller. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez. Par contre, mince, le fail. Je voulais le stun. Non, allez. Allez, hop là, voilà. Donc là, le stun, je pensais pas le stun. Là. Franchement, j'ai tiré un peu au pif. Je pensais pas pouvoir le stun. Mais si, franchement, j'ai eu du bol. Donc là, on va back, en espérant qu'il n'y ait pas. Donc 7-2, on rattrape un petit peu notre... On va dire que c'est, ça pourrait être pire. Voilà, on va dire que ça pourrait être bien pire. Franchement, je m'en sors assez bien sur cette game. Donc on va prendre deux potions, allez, on va pas en abuser. C'est pas que, mais potion sur potion, ça coûte cher. Donc le mec il me passe comme ça devant. Par contre, on a plus l'ulti du coup, ouais, je suis un peu... C'est pas grave. Donc là, 189 farm quand même, c'est assez énorme. On va tenter des plays, cela ulti en 4 secondes, dans 10 secondes, je veux dire. Hop là. Ulti niveau 2 même. Ulti niveau 2 et là on va avoir notre ulti, ça y est. Là on va pouvoir tenter on va tenter une place là. Allez, Ramus il gère ou pas? Là il gère pas le Ramus. Non. Alors là faut surtout pas faire gaffe au cage. Là, ici. Oh là là, le burn-out. C'est pas arrivé. Bah là on est cash, c'est mort. On va tenter un truc. Dommage. Je pensais vraiment pouvoir l'avoir.
Il s'en sort avec 2 HP, regardez, regardez. Regardez le Kennen. Aïe. Là, on va devoir... On va devoir jouer en team, là. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Back, 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 back. Back, back, mais que fais-tu? Que fais-tu? Voilà. Mais que fais-tu? T'as 0 PV. Voilà. Comment fit? Aïe, aïe, aïe. Mais il est tout... Oh là là là. Bon. Moi, j'aurais back, hein. Bah j'y vais, mais bon. Je vais essayer de me dépêcher. Bah là, c'est soit j'aide ma team, ouais, je vais aider ma team. Parce que là, c'est de la merde. C'est la merde, là. Là, je peux pas défendre la tourelle, je préfère sauver ma team. Gogo, ici, ici, ici. Ici, 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 venez. Allez, 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 allez. Allez, la team. Alors là, par contre, il faut que je burn out, mais pas un tank de préférence, quand même. Oh putain. Ici, ici, ici. Go, 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 on avance. Je peux tuer une cible. Je peux dépop une cible. Allez, go. Ah, punaise. Allez, stun, 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 le nounours. Voilà, j'ai voulu dépop une autre cible. Bon. C'était un choix à faire. Le flash. Ça passe ou pas? Non, ici, ici. On met les visions là tout de suite. Oh là, cool. Allez, tout le monde au mid. On va tenter un truc, on va tenter un truc. Non, on va dépush la lane déjà. Voilà. Oh là bah la cage qui passe. Voilà, là je pense que je peux me faire des pop. On peut, je peux envoyer déjà mon nounours pour mettre un peu de pression, voilà, il va se faire des pop, mais c'est pas grave, reviens, reviens. Hop. Ah, dommage, j'ai tout donné sur le maître là. J'aurais peut-être pu faire, j'ai pas fait gaffe, ouais, là, là. Alors là, Larry, allez, Larry, Larry, Larry. Allez, Larry, bien joué. Well play, well play, well play. Donc là, 9-4, là, on commence à feed, là. On commence à feed, là. Allez. T'es obligé, Ezreal, t'es obligé de la... Putain, Lux, elle a 2 HP, quoi. C'est quoi? C'est pas du bol, ça, c'est autre chose. Ah non, allez. Ah non, mais non, mais back, 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 back. Backé, backé. Qu'est-ce que je peux? Non, aïe hop. Donc, bon, après, Gralimpi, je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon. C'était pour la RM. Et pour le mana, surtout, parce que... Annie, ça bouffe du mana. Allez, c'est parti. On va essayer de tenter quelque chose. Ici. Ulti niveau 3. Alors là, par contre, on va faire des petits dommages. On va faire l'Everest. On va faire l'Everest en attendant l'équipe. Ça fait toujours de la... Tu fais quoi, l'Everest? Bon, ça fait toujours des petits gold supplémentaires. Ah, par contre, j'ai quand même. On va dépop un peu cette lane, voilà. Hop là! Pas mal de PO. Est-ce qu'on peut acheter notre. Ah non, 680 il nous faut. 680 et on pourra l'acheter. J'ai quand même. Voilà. C'est dommage. Allez mon ours, va attaquer là. Elle sait pas mais on va la dépop en fait. Si elle s'approche. Ce qu'elle sait pas c'est que si elle s'approche elle est morte. Oh mince. Si elle s'approche elle est morte. Ça va faire des push vite fait l'aller. Voilà. J'aurais pu faire le kill. Allez, on prend les tourelles. Voilà. Voilà, tant pis. On va prendre les. De toute façon. Bon. Voilà, triplé des familles.
On la tue pas? Coucou! Donc là, coucou! Mince! C'est vous! Voilà, c'est fini là de toute façon. On va finir la game. GG. Voilà, ma souris. Ma souris qui se barre. Et donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à vous abonner pour suivre toutes les autres vidéos. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo LOL ou Minecraft. Allez, salut à tous.